Nouvelle mission, c'est pas pour un voyage dans le temps, c'est parti. Bonjour capitaine Truman, bienvenue à bord. Salut Sharka. Contente de vous revoir. Merci, moi aussi. Alors tu nous emmènes en quelle année aujourd'hui? En l'an 1996. 1996. Ça va être sympa ça, 18 ans en arrière, un beau voyage. Vous êtes prêts? A bientôt capitaine. Nous commençons avec Resident Evil, connu sous le nom original Biohazard au Japon, sorti en 1996 sur PlayStation et Saturn et édité par Capcom. Produit par Shinji Mikami, producteur de la série Resident Evil jusqu'au 4, ainsi que Code Veronica, des 3 Dino Crisis, Devil May Cry et tout récemment du jeu The Evil Within. Ce premier opus est inspiré du jeu Sweet Home, édité par Capcom en 1989, sorti sur Famicom, lui-même inspiré d'un film d'horreur japonais. On y retrouve de nombreux éléments, le manoir, les énigmes, l'écran de chargement avec les portes, mais sous forme de RPG. D'ailleurs, Shinji Mikami ne se cache pas de son inspiration. Pour vous résumer l'histoire, près de la ville de Raccoon City se trouve le manoir Spencer, qui cache un laboratoire secret de la firme Umbrella Corporation, afin de créer des armes biologiques. Un accident survient et un virus contamine tous les habitants du manoir, les transformant en zombies. L'équipe Alpha est envoyée sur place afin de retrouver l'équipe Bravo des Stars, envoyée précédemment et portée disparue. Notre équipe Alpha, divisée dans le manoir, devra survivre aux attaques de zombies, de créatures mutantes en tout genre, et tenter de trouver et d'éradiquer la souche de la contamination. Mais la tâche est plus ardue que prévu si on tient compte des trahisons et surtout de la mise en quarantaine de la ville de Raccoon City par le gouvernement, qui prend la décision de mettre un point final à la contamination. Donc je vous laisse deviner la solution. Donc ce qui a fait son succès à l'époque, son ambiance oppressante, est bien réussi grâce à sa bande originale, ses scènes glauques visant un public adulte pour l'époque. Un mélange de 2D pour les décors et 3D pour les personnages. Il démocratise ainsi le genre du survival horror sur console, un genre encore méconnu à l'époque et qui prendra son essor à partir de là. Bonjour, je vous parle en direct du Cap, le comité anti-PlayStation. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. On pourrait croire que c'est une simple rôtissoire, mais dedans, c'est le tourne-dos de la mort. Comment savoir que la PlayStation n'est pas une banale console de jeu? Regardez bien ces signes étranges. Les savants le certifient, ces effets sont démoniaques. Vous pouvez voir ici un jeune homme sain. Et là, un sujet exposé à la PlayStation pendant quelques minutes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Nous continuons notre voyage avec le jeu Popolocrois Story, un RPG développé par G-Artist et sorti en juillet 1996, mon vrai coup de cœur de l'époque. Ce jeu va vous raconter l'histoire de Pietro, prince de Popolocrois, qui fête ses 10 ans lors d'un banquet royal. Il découvre le même jour que sa mère n'est pas morte, mais que son corps est endormi et repose dans une tour près du château. Un secret jusqu'alors bien dissimulé par son père, qui lui raconte l'histoire de celle-ci. Pendant de longues années avant la naissance de Pietro, un démon nommé Asdemon, aidé de quatre acolytes, avait recouvert les terres de Popolocrois de glace. Tout semblait alors perdu pour ses habitants, jusqu'à l'apparition d'un énorme dragon blanc, qui après un combat de plusieurs jours, réussit à le renvoyer dans l'oubli. Vous l'aurez compris, l'esprit du dragon blanc est bien celui de sa mère qui s'est sacrifiée. Pietro décide alors de partir à l'aventure afin de trouver le moyen de sauver sa mère de ce coma éternel. Il fera la connaissance de plusieurs personnages bien différents, dont Narcia, une toute jeune sorcière de la forêt dont il se nourra une petite amourette au fil de l'histoire. Ce RPG en 2D vous emmènera dans différentes contrées du royaume de Popolocrois et vous fera découvrir un univers bien vivant. En effet, plus l'histoire avance et plus les paysages évoluent ainsi que les personnages qui y vivent. Par exemple, vous pourrez voir des étapes de construction de maisons, ou des modifications dans les villages, les paysages, etc. Derrière un système de combat simple mais complet et une histoire qui peut paraître enfantine, se cache une histoire prenante avec des passages bien poignants, des personnages attachants, de belles cinématiques et surtout une OST magnifique que je conseille à tous. Ce jeu s'adresse aussi bien aux néophytes qui veulent un RPG simple d'accès qu'également aux plus exigeants qui trouveront un système bien complet, une histoire prenante et une bonne poignée d'heures tout de même pour terminer. Le fait qu'il soit peu connu en dehors du Japon, où il a eu un très bon accueil à l'époque, et qu'il est arrivé seulement 6 mois avant la sortie du blockbuster du début de l'année 1997, un certain Final Fantasy VII. Du coup, par chez nous, il a été découvert bien plus tard, surtout depuis sa sortie sur PSP en 2005. Mais en version traduite, qui se compose de 2 des 3 volumes de la PlayStation. Nous commençons avec la série X-Files dont j'étais un fan à l'époque, nous en étions à la 3e saison. Nous continuons avec la série Sliders qui débute au mois d'avril 1996. Et si on pouvait voyager dans des mondes parallèles, la même terre, au même moment, mais dans des dimensions différentes. Un monde où les Russes règnent sur l'Amérique, où vos rêves de devenir une superstar se réalisent, où San Francisco est une prison de haute sécurité. J'ai découvert le passage, les amis. Le seul problème, c'est de trouver un moyen de rentrer. Nous finissons les séries avec Friends qui débute en version originale sous-titrée française sur Canal Jimmy. ce qui concerne les séries animées, débutons avec les indémodables rediffusions du Club Dorothée avec Dragon Ball Z, en vous faisant grâce des génériques français. Fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ。かぼけられた地球が怒って火山を爆発させる。溶けた氷の中に恐竜。 玉乗り飛行みたいねチャラへチャラ何が起きても気分はへのへのカッパ Toujours le Club Dorothée avec la série des Chevaliers du Zodiaque ou Saint Seiya en version originale. Et pour finir les séries animées, voici Dragon Quest, aussi connu par chez nous sous le nom de Fly. Je vous présente mes coups de cœur musicaux de cette année, commençant avec Jamiroquai qui sort son album Traveling Without Moving. I Continuons avec un groupe de heavy metal japonais X-Japan et son album Dahlia, groupe que je vous conseille. Passons de la musique hardcore avec Thunderdome volume 15. Et le meilleur pour la fin, un de mes groupes favoris, ACDC, et son album Ballbreaker, sorti en toute fin d'année 1995. Nous commençons avec la sortie de la Game Boy Pocket. Nouveau Game Boy Pocket. Plus net. Plus léger. Plus petit. Game Boy Pocket nettement plus petit. Avec TPS, passé de 6 chaînes à 30 pour les plus chanceux. 1950, vous aviez une chaîne. Dans les années 70, 3 chaînes en couleur. 1997, voici TPS. Maintenant, vous avez plus de 30 chaînes. Les grandes chaînes nationales en numérique et son stéréo. Odyssée, la chaîne des grandes découvertes. Le sport, c'est le football à la carte, avec la Ligue des Champions et la Coupe de France. Mais aussi Eurosport, la chaîne de tous les sports. TPS, c'est 3 chaînes 100% cinéma. Plus des films inédits à la séance. Le 18 octobre 1996, nous passons numéro de téléphone de 8 à 10 chiffres. Ceci est un message de France Télécom. Madame ? Allô ? Monsieur, bonjour. À partir du 18 octobre, la numérotation téléphonique change. C'est simple comme bonjour. Tous les numéros de téléphone en France ont 10 chiffres et le 16 disparaît. Donc, pour appeler partout en France, vous ajoutez 2 chiffres en tête du numéro selon les régions. Par exemple, dans la région parisienne, tous les numéros commencent par le 01. Voilà, dans les grandes lignes, la numérotation à 10 chiffres. Rappelez-vous, madame, monsieur, le 18 octobre, c'est 2 chiffres en tête et 10 chiffres en tout. Capitaine. Oui, Cherka. Brèche temporelle ouverte. Ah, il est déjà l'heure de nous quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage.